Bon, ben, voilà, bonjour, nous voilà donc rendus, nous sommes en hiver, nous sommes le 7 décembre, toujours sur ce même rucher. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je fais un petit rappel, donc on a au mois d'août, le 18 juillet, on a pratiqué l'encagement des rennes dans des cages Scalvini. Elles ont été libérées 21-22 jours après, donc le 8-08, ce sont le 8-08, donc le 8 août. Et ce jour-là, en libérant les rennes, on en a remplacé celles qui avaient remplacé, et aussi on a fait le traitement à l'acide oxalique, donc sans couvain, à un stade zéro couvain. Il restait un peu de couvain de mâle, donc on en a refait un autre traitement à l'acide oxalique, le 13, je crois que c'est le 13, oui, le 13-08, donc le 13 août, 4-5 jours après le premier traitement. Donc 21 plus 4 jours, 4-5 jours, ça fait 21-26, donc 25-26. Donc l'ensemble du couvain était né, y compris le couvain de mâle, et donc on a fait le second traitement. Ensuite, on a fait, dans la foulée, quelques jours après, je ne me souviens plus, on a fait, regardez les vidéos précédentes, hein, il y a 5 vidéos précédentes qui expliquent tout le processus. Donc, on a fait je crois que c'est une semaine après, je ne me souviens plus. On a fait je referai un calendrier, hein, sur la vidéo. Donc, on a fait un contrôle à la fois au sucre glace et à la fois au tactique. Et on trouvait une moyenne, par exemple pour le sucre glace, de 1 à 2 ou 3 varrois pour 300 abeilles. Donc 1 ou 2 varrois pour 300 abeilles, faut compter sur une population de colonies au mois de septembre, je crois que c'était en septembre, donc mettons 20 à 25 000 abeilles, il restait donc une centaine, entre 100 et 150, entre disons 60, 80 et 150 varrois dans la colonie. Si on avait à la mesure de 1, 2, voire 3 varrois sur 300 abeilles au sucre glace. Donc ensuite, on a laissé l'automne se passer. On a eu un assez bel automne. Après la sécheresse d'été, finalement, il a plu assez tard, mais il a bien plu. Et donc, il y a eu une refloraison importante ici. Ici, je rappelle, nous sommes à 600 mètres d'altitude dans le sud du Massif central. Donc là en ce moment, c'est une belle journée de décembre, on est le 7 décembre, il fait 15 degrés, vous voyez, c'est une très belle journée, les abeilles sortent, elles sont sur les abreuvoirs, ce qui n'est pas très bon finalement. Je préférais qu'il n'y ait vraiment pas du tout de couvain maintenant. Moi j'ai vérifié le couvain il y a une dizaine de jours, on en a ouvert quelques ruches pour voir, il n'y avait plus de couvain, pas du tout de couvain, il y a 10 jours quoi. Il faut dire qu'il y a 10 jours, on avait eu 15-20 jours de très très mauvais temps, très froid, de la pluie sans arrêt, un automne assez mauvais finalement, une arrière-saison assez mauvaise. Et donc, on est à peu près sur l'ensemble du rucher à zéro couvain ou très très proche de couvain. Il doit rester peut-être sur un ou deux cadres ça de couvain. Et encore, je n'en suis pas sûr. Je vais revérifier un petit peu encore il y a 3-4 jours, pas sur ce rucher-là, mais sur un autre rucher que j'ai pas très loin, il n'y avait pas de couvain. Donc les colonies sont très serrées, donc à mon avis on est vraiment au zéro couvain hivernal, quasiment. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le traitement d'hiver à l'acide oxalique, pareil au dégouttement, hein, peut-être que je ferai une petite vidéo en accéléré pour vous montrer, donc il y a 5 jours. Donc c'était le 2 décembre. Le 2 décembre, on a redégoutté les 35 grammes d'acide oxalique par litre de sirop. Il faisait pareil 15 degrés, une journée à peu près similaire. Voilà, donc on a fait ça. Et donc on est là maintenant rendu le 7 décembre. Et donc le 7 décembre, le 2 décembre, après avoir fait le dégouttement à l'acide oxalique, on a posé les langes graissées. Et on a attendu 5 jours avant de les retirer, donc ce matin, aujourd'hui là, il doit être 11h, 11h30, pour faire le comptage des varrois qui restent après 5 jours du traitement hivernal à l'acide oxalique, par dégoûtement. Pourquoi 5 jours? Eh bien parce que, comme je l'ai dû le dire dans d'autres vidéos,
l'action de l'acide oxalique par dégouttement n'est pas immédiate, elle n'est pas dans les 24 heures. Souvent, au bout de 24 heures, il tombe 5, 10 varois, pas plus. Puis le gros des varois tombe à partir de après les 24 heures, donc 48 heures, 72 heures, etc., pendant les 4-5 jours suivants. L'action de l'acide oxalique est un peu lente, elle s'étale sur, disons, une semaine, en gros, après avoir effectué le dégouttement. Après les 5-6 jours, il y a encore des chutes, mais vraiment, c'est très, très, très ralenti, donc le gros des chutes se trouve dans les 5-6 premiers jours. Donc là, on est 5 jours après le dégouttement à l'acide oxalique qui a été fait le 2 décembre, et donc nous sommes le 7 décembre, et nous avons donc retiré les langes. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis beaucoup de langes pour avoir une bonne idée, donc j'ai mis 14 langes, enfin des langes sur 14 ruches, et je vous rappelle, ce rucher, il fait 22 ruches. Donc nous sommes à plus de 50% d'évaluation. Alors nous allons passer directement au résultat. Je vais décrocher mon smartphone et on va suivre. Vous allez voir ce qui est tombé. Donc les comptages ont été faits. Là, je viens de les faire. Un instant, je vais vous montrer. Donc sur cette colonie ici, là, je ne sais pas si on voit bien. Donc il y a 108, je vais essayer de faire le point, voilà, 108 varois. Alors je ne sais pas si on les voit, je pense qu'on doit les voir. Voilà. Sur celle-ci, c'est 86. Celle-ci, 47. Voilà. Ensuite, celle-ci, 144. Je crois que c'est celle qui en a le plus. Ici, 60. Ici, 66. Ici, 61. Ici, 27, oui. Voilà. Ici, on est à 104. J'essaie de me rapprocher de là, voilà. Là, il y a la pierre qui gêne, qui vous fait de l'ombre. Voilà. J'espère que que le point se fait. Voilà. Donc là, c'est une où, effectivement, il y en a aussi pas mal, 104. Là, ici, 31. Là, ici, 46. Là, ici, 127. J'essaie de faire une vue en gros. Si ça fait la netteté. Voilà. Ici, on en a 28. Et ici, 54. Voilà. Donc, on va retourner là-bas. Je repose l'appareil. Donc, vous voyez, on a à peu près encore, ça semble beaucoup de varroa. Donc le maximum, je crois, c'est 144, on a dit tout à l'heure, et le minimum, je crois, c'est 27. Donc on a quand même une plage assez importante d'écart, mais la moyenne est quand même autour des 60, 70. Disons, la moyenne arithmétique est à 70, mais disons, on a plutôt une moyenne, on a pas mal autour des 40, 30, etc. Effectivement, on a deux ou trois ou quatre. À 144, 108 et là-bas 127. Donc on a 2-3 colonies qui sont très hauts, 2 ou 3 pareil très faibles, et puis la moyenne se trouve autour des 30, 40 varois, 50, 60 qui tombent à peu près sur les langes après 5 jours après le traitement à l'acide oxalique.
Donc ces écarts-là sont tout à fait normaux, on rencontre ça depuis que moi j'ai connu la Varoise, j'ai connu avant et après ce genre de mesures avec des ruches qui ont 1000, 2000 varois, voire 2500, et puis d'autres qui en ont que 50 ou 60, ou 100, ou 600, on trouve ces écarts comme ça, c'est assez inexpliqué, il y a des problèmes de dérive, les ruches n'ont pas les mêmes développements au cours de l'année, il y a eu des blocages de ponte, d'autres, on a pris des seins où elles ont essaimé, donc certainement les explications sont multifactorielles, comme on dit, hein, comme ça reste tout le monde, mais ce constat-là est normal. Donc, essayons d'analyser un petit peu le résultat, si c'est bon ou si c'est pas bon pour nous. Donc là, ici, on a, on va dire, autour de 100 varois, 70, disons la moyenne est à 70, qui sont tombés avec un dégoûtement en hiver à quasi zéro couvain, puisque je pense qu'il y a zéro couvain sur presque l'ensemble des ruches. On est quand même, je vous rappelle, on doit être à ce ruchet-là, il est haut, je crois qu'il est à 800 mètres même. 800 mètres, on a eu une période de froid, les abeilles sont pas sorties depuis facilement un bon mois, tout le mois de novembre. J'ai pas vérifié sur un gros pourcentage, parce que je n'aime pas ouvrir et casser les grappes d'hivernage, mais sur celles que j'ai ouvert, les 4-5, j'ai pas trouvé de couvain. Donc, quand j'ai fait le traitement il y a 5 jours, les grappes étaient très 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 serrées, à peu près comme ça. Hein. Donc on est vraiment en phase hivernale. Ce qui est ici pour le sud de la France, même à cette altitude, on est encore sous l'influence méditerranéenne, est normal. Et d'ici 15 jours, eh bien, on risque d'avoir les premières pontes qui repartent. Hein. Souvent, un petit peu après Noël, même des fois à Noël même, on a des pontes qui repartent. Et en général, première semaine de fin de première, ou disons le 10 janvier, mi-janvier, hop, ça y est, c'est reparti, les jours grandissent et c'est reparti. Quel que soit le temps qu'il y ait, peut avoir du mauvais temps, de toute façon, ça repart. Alors, si on fait une petite prospection, donc 100 varois, mettons qu'il reste, on va prendre le côté le plus pessimiste, 100 varois de tombée, avec un traitement, disons, à l'acide oxalique, comme ça, sans couvain, est assez efficace. Je pense qu'il y en a qui parlent de 95%, entre 90 et 95%. Donc ça veut dire que ces 100 varois ou ces 70 varois ou ici les 86 correspondent aux 90-95% des varois qu'il y avait dans la colonie. Donc il reste 10 à 15% par rapport à ce chiffre-là. Donc on va essayer de calculer, je l'ai fait ici pour ne pas perdre trop de temps, si sur un lange, on compte 100 varois, comme ici, par exemple 108 varois, eh bien, si l'efficacité du traitement à l'acide oxalique a été de 90%, eh bien, on se retrouve avec un reste de varois à l'intérieur entre 10 et 11 varois, à peu près. Hein, voilà. Si l'efficacité a été de 95%, eh bien, on a 5-6 varois qui restent dans la colonie. Voilà. Si on a 150 varois, je crois qu'il y a une ruche quelque part qu'on a 144 là-bas, donc, mettons 150 varois, à 150 varois, si on a une efficacité du traitement à 90%, il reste 15 varois, entre 15, disons, comme 15, 16, 17, peut-être 20 varois. Quoi. Voilà, sur l'ensemble, des ruches ça ici. Et si l'efficacité est à 95%, eh bien, il reste 7-8 varois, en gros, dans la colonie. Pour l'hiver, on est sur des chiffres corrects, disons. Hein, il faudrait normalement dans la littérature, alors ça dépend des auteurs, ce serait 30 ou 50 varois. Moi je trouve que 30-50 varois qui restent dans la colonie, c'est beaucoup. C'est même, je trouve beaucoup. Même je trouve que s'il en reste 15 ou 20, c'est déjà pas mal. Ça pose des problèmes pour l'année suivante. Donc là, ici sur l'ensemble de ce rucher-là, sur les 22 ruches qui sont ici, on a une moyenne à 70 varois tombés à 90-95%. Ça veut dire que en moyenne, il doit rester entre au minimum 3 ou 4 varois et 10-15 varois dans les colonies les plus infestées. Alors la première, observation, c'est qu'entre le mois d'août
la période d'engagement, donc la libération de la reine début août, et ici, le décembre, on a quand même une réinfestation assez importante. Si on n'avait rien fait, si on s'était contenté simplement du traitement avec l'engagement, hein, engagement plus un, voire deux traitements à 5 jours là, pour le couvain de mâle, en août donc, on serait là à l'hiver avec des colonies à 144, 108, plus parce qu'il y avait 90, 95 pourtant, disons à 120, d'autres à 50, 60, 70, 80 voies pour passer l'hiver. Là, c'est pas possible. Une colonie qui peut pas tenir jusqu'au mois de juillet, jusqu'à la récolte suivante, avec 80, 100 varroas. Ça, c'est clair, on va arriver à des taux de varroas à 2000, 3000 varroas au mois de, août. Avec le don qui reste 100 varroas, qui reste maintenant 10 varroas, disons, une moyenne de, on va compter sur une moyenne de 15 varroas, on va essayer d'évaluer. S'il reste 15 varroas avec la fameuse formule mathématique, le modèle mathématique qui donne donc les varroas finaux, le nombre de varroas que l'on obtient au bout d'un certain temps, dans de nombre de jours de ponte à partir du nombre de varroas initial. Donc ici on va compter à 15 par exemple, hein, je veux dire 15. La formule c'est on prend le nombre de varroas initial, le nombre initial de varroa, que l'on multiplie par 1,021 et qu'on multiplie par le nombre de jours de couvain. Voilà. C'est une formule mathématique assez grossière qui ne prend pas en compte l'évolution du couvain, peu de couvain au mois de janvier-février, puis couvain au mois de mai-juin. Voilà. En fait, elle donne un point, à partir d'un point, une mesure initiale, elle donne ce que l'on peut estimé avoir à un point final, donc après un nombre de jours de couvain, de ponte de la reine, quoi, ça veut dire. Donc indépendamment des fluctuations qu'il peut y avoir entre ces deux points. Donc si je prends 15 varroas, je multiplie par 1,021, et que je multiplie par le nombre de jours de couvain, donc si la ponte commence, la conseil, mettons, le 15 janvier, du 15 janvier jusqu'au 15 août, au 15 juillet, ça fait 15 janvier, février, février, mars, avril, mai, juin, juillet, ça fait 7 mois jusqu'à août, 7 mois à 30 jours, 3 fois 7, 21, ça fait 210 jours, donc multiplié par 210, on arriverait à 3000 varroas. C'est théorique, hein. Mais j'ai déjà constaté ça. En faisant des comptages comme ça avec des langes au mois d'août, il est souvent arrivé, c'est des gens qui ne traitaient pas par exemple, beaucoup d'amateurs que je suis, que j'aide, que j'alerte souvent, je viens chez eux, je leur mets le lange, on fait un traitement, ils tombent 2000, 2500 varroas. 1500, 2000, c'est assez courant. Voilà. Donc vous voyez que si on parle de 15 varroas, c'est quand même... il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il faut, faire absolument un traitement à l'été. Alors là, les calculs donnent 2-3 000 varroas. Je ne pense pas que ça corresponde vraiment à l'été, en tout cas pour moi, chez moi, dans mon environnement et dans le mais sans traitement, mais lorsqu'on fait un contrôle au mois de juillet ou au mois d'août, une mesure, une évaluation, par exemple au sucre glace, est-ce qu'on fait la règle de 3 pour retrouver par rapport à des colonies qui sont sur, en juillet sur 6 cas de couvain avec 30 000 abeilles, et bien on tombe des chiffres à 1500, 2000 varroas facilement. Voilà. Donc voilà, c'était pour conclure toute cette série de vidéos sur ma manière de gérer un peu la problématique du varroa. On n'arrive pas à éradiquer le varroa. Le savoir, même avec des méthodes aussi draconiennes hein, que l'engagement, où on se retrouve au mois de juillet-août sans aucun couvain, et là on fait un traitement avec un protocole qui normalement est voisin des 95% dans un état zéro couvain, et malgré cela la réinfestation comme on l'a vu est extrêmement importante pendant l'automne,
et on arrive à l'hiver quand même avec encore entre 100, une moyenne de 100, 150 au maximum 200 varrois dans les ruches. Et donc évidemment il n'est pas pensable de pouvoir joindre, faire l'ensemble de la saison suivante avec 200 varrois au démarrage de la saison. Voilà. Bon, il y a des mortalités de varrois, il y a des arrêts, mais dans le contexte de Montrucher, père de Montrucher, hein, personnel, je suis en limite de climat méditerranéen, donc on n'a pas des hivers très longs. On a une reprise de ponte assez rapide. En fait, le stade zéro couvain est assez court, c'est 3-4 semaines, un mois, quoi. Donc ceux qui sont plus proches de la côte méditerranéenne, quasiment il n'y a pas d'arrêt de ponte. Même, c'est pas quasiment, c'est, il n'y a pas d'arrêt de ponte, il y a toujours un petit peu de couvain qui est entretenu. Et donc, les méthodes, il faut effectivement être extrêmement vigilant et suivre, faire une évaluation régulière, car on peut se faire très vite surprendre par les varrois. Donc, utiliser des méthodes qui vont en prouver leur efficacité. Voilà, c'est terminé. Isabelle sort, je ne sais pas si vous voyez, il y a beaucoup d'activités aujourd'hui.